independence that we want. I have a dream. Le 8 mai 1945, la guerre en Europe est achevée, mais sur le théâtre pacifique, les combats continuent de faire rage. Plus les Américains se rapprochent du Japon, plus la guerre se révèle meurtrière. Pour les responsables alliés, une évidence s'impose, la conquête du Japon sera extrêmement longue et coûteuse. Harry Truman, président des États-Unis depuis la mort de Franklin Roosevelt, prend alors la décision de recourir à une nouvelle arme au pouvoir destructeur jusqu'ici inégalé. Le 6 août 1945, pour la première fois dans l'histoire, une bombe atomique est larguée sur la ville japonaise d'Hiroshima. Le monde entre dans l'ère nucléaire. La ville est rasée, les morts sont innombrables. Trois jours plus tard, le Japon ayant tardé à répondre aux demandes de capitulation, une seconde bombe atomique explose au-dessus de la ville japonaise de Nagasaki. Le 14 août 1945, Hirohito accepte la capitulation sans condition du Japon. La Seconde Guerre mondiale est enfin définitivement terminée. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé, revivons étape par étape tous ces événements. Début 1945, la Seconde Guerre mondiale entame sa septième année de combat. En Europe, la bataille des Ardennes est un échec pour les Allemands qui reculent partout. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se donne la mort dans son bunker. Le 8 mai, les chefs militaires du Troisième Reich déposent les armes et signent la capitulation. La guerre est finie en Europe. En Asie, en revanche, malgré une succession de défaites depuis la bataille de Midway, les forces armées japonaises continuent de se battre avec acharnement. Début 1945, la reconquête de Manille, de Corregidor et de Bataan est achevée. Mais ces objectifs ne tombent aux mains des Américains qu'après de durs combats et des pertes sévères. Les soldats japonais de la Seconde Guerre mondiale sont imprégnés de Bushido, code d'honneur remontant au XIIe siècle qui stipule que pour un militaire, la reddition n'est pas envisageable et se rendre est un acte méprisable. Ce qui était considéré comme du fanatisme chez les alliés, comme le fait d'aller au devant d'une mort certaine pour l'honneur, était du patriotisme traditionnel pour les soldats nippons. Les combats sont pour cette raison effroyables et particulièrement meurtriers chez les Japonais, qui ne sont parfois que quelques dizaines à survivre pour plusieurs milliers de morts. Quant aux kamikazes, aucun des 1900 Jibaku qui se sont écrasés avec leur avion contre les porte-avions américains à Okinawa ne sont revenus vivants. Le débarquement sur Iwo Jima débute le 19 février 1945. 200 Japonais seulement sur une garnison de 21 000 hommes sont faits prisonniers. Le 29 mars, l'île est totalement conquise. Les photos du drapeau américain hissé sur le mont Suribachi deviennent mondialement célèbres. L'étape suivante est encore plus difficile. Plus les Américains se rapprochent du Japon, plus les combats sont violents et meurtriers. Malgré les bombardements massifs sur le Japon, la détermination de la population japonaise est intacte. Les dirigeants militaires n'envisagent pas un seul instant de cesser la lutte. Beaucoup de Japonais n'avaient pas du tout l'information exacte sur la guerre, sauf quelques intellectuels et aussi certaines personnes qui étaient contre la guerre dès le début. Et toutes les informations étaient évidemment censurées. Et la plupart des Japonais donc, ont été complètement manipulés. Et pourtant, ils se rendent compte qu'il y a de moins en moins de choses à manger et le bombardement de plus en plus par B-29 des États-Unis. La plupart des grandes villes ont été rasées et aussi 66 grandes villes ont été détruites avant le bombardement atomique à Hiroshima et Nagasaki.
Le 1er avril 1945, les forces américaines débarquent à Okinawa. Cette île est la dernière étape avant l'invasion du Japon. Les combats acharnés durent 82 jours jusqu'au 1er juin, faisant 12 000 morts et presque 49 000 blessés côté américain. La défense désespérée des Japonais leur coûte presque 150 000 hommes, dont 40 000 civils et environ 4 000 avions, dont plus de la moitié étaient pilotés par des kamikazes. Seuls 3 400 Japonais sont faits prisonniers. Donc il y avait des soldats japonais, mais en même temps, les habitants d'Okinawa, qui étaient une sorte de prise en otage, parce que ils ne pouvaient pas quitter l'île. Et ils restaient là, mais quand il y avait embarquement, tous les gens d'Okinawa essayaient de se cacher dans les grottes, mais c'était très très pénible. Après Iwo Jima et Okinawa, les responsables politiques et militaires américains sont définitivement convaincus que la conquête du Japon sera extrêmement longue et coûteuse. Même si sa marine est à genoux et si son aviation n'est plus en mesure de s'opposer aux raids aériens alliés, le Japon dispose encore de forces terrestres considérables. 2 millions de soldats sont concentrés dans l'archipel japonais. 3 autres millions sont encore cantonnés dans les possessions japonaises d'Asie, principalement en Mandchourie et en Chine. Le soldat japonais, dans sa globalité, est un soldat extrêmement d'abord entraîné, un soldat aguerri, qui est sur des fronts et des théâtres d'opération depuis 1937, donc qui a une grande expérience de la guerre, qui a un code de l'honneur, un code du devoir extrêmement important. Et chaque île, ces centaines d'îles qui ont été conquises et qui ont été aussi, d'abord, un, conquises par les Japonais et deux, reconquises par les Américains. Parce que nous, on a le tropisme du D-Day, le plus grand débarquement. Mais c'est plus d'une centaine de débarquements qui ont eu lieu en réalité dans le Pacifique. Les Marines ont été à se battre comme des fauves pour pouvoir récupérer îlot par îlot, territoire par territoire. Envisagé dès 1943, le plan d'invasion du Japon est mis au point à partir de la mi-44. Il comporte deux volets. La première partie du plan, baptisée Olympique, prévoit de débarquer sur Kyushu, la deuxième grande île située au sud de l'archipel Nippon, dans le courant du mois de novembre 1945. 13 divisions, soit presque un demi-million d'hommes et 3000 navires sont prévus pour l'opération et doivent conquérir une partie de l'île afin d'y aménager des aérodromes destinés à accueillir les avions prévus pour protéger l'opération Coronet. Coronet est le nom du second volet de l'invasion. Il s'agit de l'attaque principale qui vise à débarquer sur l'île de Honshu, la plus grande des 4 îles du Japon, à partir de mars 1946. Là aussi, les forces d'invasion envisagées sont considérables. 2 débarquements sont prévus, au nord et au sud de Tokyo, prenant en tenaille la capitale japonaise. Les stratèges américains prévoient que les combats peuvent durer jusqu'à la fin de 1946. Les estimations en pertes humaines oscillent entre 200 000 et 1 million de morts américains. Ces chiffres pèsent assurément lourd dans la balance, au moment où est prise la décision d'utiliser ou non la bombe atomique. C'est vrai que les 2 premières bombes atomiques, d'U-45 d'Hiroshima et Nagasaki, sont des temps de bascule. Bascule multiple parce que, aux yeux des Américains, c'est l'élément qui doit permettre d'aller plus vite pour la fin de la guerre. Les Américains avaient extrêmement peur. Peur de quoi ? Peur de ce qu'ils avaient vécu en réalité, c'est-à-dire de ces multiples débarquements dans toutes les îles du Pacifique. La difficulté, l'opiniâtreté, la combativité des Japonais était telle qu'ils estimaient que ce serait presque plus d'un million de soldats américains qui devraient mourir pour s'emparer du sacro-saint territoire japonais, des îles même de l'intérieur du Japon. À partir du mois d'avril 1945, le Japon tente plusieurs fois d'initier des pourparlers de paix, mais se heurte au refus des Américains qui font de la capitulation sans condition un casus belli. Le 18 juin 1945, le Japon fait ouvertement une proposition de paix, mais c'est encore une fois un échec. Devant ce refus répété, les Japonais tentent d'utiliser les Soviétiques comme médiateurs. En vain. Le 15 juillet 1945, Truman se rend à la conférence de Potsdam. 2 jours plus tard, il est informé du succès du premier essai nucléaire de l'histoire, Trinity, dont il fait part à Staline. Il en profite du même coup pour durcir la position américaine sur les négociations de paix en Europe.
Soviétiques, Américains et Britanniques se mettent alors d'accord pour continuer d'exiger du Japon une capitulation sans condition. Le 26 juillet 1945, un ultimatum commun est adressé au Japon. Le texte ne dit rien de l'éventuelle utilisation de la bombe atomique et ne donne aucune précision sur le seul point pour lequel les Japonais ne veulent pas céder, le sort de la dynastie impériale. Évidemment, l'avis des habitants des peuples japonais n'ont pas. Il n'en est pas question de poser la question. Tout a été décidé par le gouvernement fasciste de l'époque. Et donc, pour les Japonais, il n'en est pas question de mettre l'empereur sur la chaise d'accusation. Les Japonais tergiversent et cherchent à gagner du temps, persuadés que la médiation de l'Union soviétique peut encore réussir. Les plus intransigeants parmi les membres de l'état-major japonais, surnommés les Faucons, sont d'ailleurs persuadés qu'une victoire militaire est encore possible. Aux États-Unis, ils sont en train de fabriquer la bombe atomique. Et un jeu était très important vis-à-vis des Unions soviétiques. Et donc, d'un côté, aux États-Unis, ils cherchent un moyen de faire la guerre par embarquement. D'autre côté, ils dépêchaient de fabriquer la bombe atomique pour montrer aux Unions soviétiques que les États-Unis possèdent une arme terrible qui peut gagner le monde entier. Harry Truman prend alors la décision d'utiliser sa nouvelle arme, la bombe atomique. En 1896, Henri Becquerel met à jour le principe de la radioactivité de l'uranium. Pierre et Marie Curie, en 1898, découvrent à leur tour la radioactivité du radium. Il s'agit là des deux premières observations directes d'un phénomène nucléaire. En 1905, Albert Einstein publie deux mémoires essentielles, le premier sur la théorie des photons et le deuxième fondamental sur la relativité restreinte. Il démontre le rapport entre la masse et l'énergie d'une particule. C'est le fameux E égale mc2, où E désigne l'énergie, m la masse de la particule et c2 la vitesse de la lumière au carré. Les recherches consacrées à la mise au point de la future bombe atomique s'accélèrent vers le début des années 30. Irène et Frédéric Joliot-Curie en France, Fermi en Italie, Hahn en Allemagne, Bohr au Danemark, Chadwick en Grande-Bretagne sont les principaux savants qui posent les bases de la physique nucléaire. Fermi, en 1934, irradie divers échantillons avec des neutrons, parmi eux l'uranium. Il découvre ainsi que de nouveaux éléments ont été créés, des isotopes radioactifs de l'uranium. La découverte par Otto Hahn du principe de fission de l'atome en 1938 à Berlin ouvre de nouvelles perspectives à la recherche. De la fission de l'atome, on peut déduire la possibilité d'une réaction en chaîne. La bombe atomique utilise un phénomène nucléaire qui s'appelle la fission. En l'occurrence, la fission de l'uranium. Donc l'uranium, c'est un noyau atomique qui est relativement lourd. Et ce noyau d'uranium a la particularité, spontanément, de fissionner, c'est-à-dire de se casser en deux parties à peu près égales, en deux noyaux plus petits, de taille à peu près égale. Lorsque vous avez une réaction de fission, vous avez un noyau qui va se casser en deux. Il va y avoir donc deux fragments de fission qui vont être produits. Mais en plus de ces fragments de fission, vous allez aussi avoir quelques neutrons qui vont être libérés. Et ces neutrons vont pouvoir, à leur tour, initier des réactions de fission sur d'autres noyaux d'uranium. Et c'est le phénomène de cascade, en quelque sorte, c'est le phénomène que l'on peut qualifier de réaction en chaîne, si jamais ce processus s'amplifie au fur et à mesure du temps. Ainsi, la fission de tous les atomes d'un gramme d'uranium-235 libère autant d'énergie que 2 tonnes de pétrole. Mais le problème reste entier. Comment contenir cette fission pour concentrer la réaction en chaîne ? L'eau lourde est composée d'atomes d'oxygène et d'hydrogène lourd. Pour les Allemands, elle est essentielle pour le ralentissement des neutrons dans le processus de fission qu'ils ont mis au point. Les bombardements des usines par la Royal Air Force et l'action héroïque de la résistance anéantissent les stocks d'eau lourde et détruisent les sites de production qui auraient permis de les reconstituer.
Les Allemands se tournent par la suite vers la mise au point d'autres armes innovantes, comme les chasseurs à réaction ou les V1 et V2. Mais c'est finalement aux États-Unis que la recherche nucléaire s'accélère. Vers la fin de 1941, le gouvernement américain décide de conférer aux savants qui travaillent pour lui des moyens exceptionnels afin de leur permettre de réaliser la bombe. Le projet, qui porte le nom de code de Manhattan, est placé en juin 1942 sous le contrôle de l'armée. C'est le général Groves qui en prend la tête. Il nomme Robert Oppenheimer, directeur scientifique du projet. Sous sa direction, Enrico Fermi, émigré aux États-Unis depuis 1938, réussit ainsi le 2 décembre 1942 la première réaction en chaîne maîtrisée en laboratoire. Lui était chargé donc de produire du plutonium pour la bombe atomique. Et donc pour produire ce plutonium, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, comme il n'existe pas l'état naturel sur Terre, c'est de le produire artificiellement dans des réacteurs nucléaires. Et donc ceci effectivement se passe dans un environnement qui est très radioactif, très dangereux, et donc il fallait trouver un endroit qui soit le plus sûr possible, qui soit relativement isolé et surtout entouré d'une quantité de béton assez importante. Et le seul édifice qui pouvait remplir ces conditions à l'époque, c'était les gradins du stade de football de l'équipe de Chicago, d'où l'implantation de son laboratoire sous ces gradins. Une première usine d'enrichissement de l'uranium-235, baptisée Y-12, est construite à Oak Ridge, dans le Tennessee, à partir de février 1943. Une deuxième usine, la K-25, est édifiée à proximité dès septembre 1943. Une troisième usine enfin, répondant au nom de code K-50, est construite dans la foulée. L'usine Y-12 ne sert bientôt plus qu'à retraiter et améliorer les produits sortis de K-25 et K-50. En parallèle, un gigantesque complexe industriel est construit à Hanford, dans l'État de Washington. Il est destiné à l'enrichissement du plutonium-239. C'est l'équipe d'Enrico Fermi qui en a la charge. Il faut savoir donc que pour fabriquer une bombe, il faut récupérer donc du minerai d'uranium. Donc ça, il y a des mines d'uranium qui se trouvent un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Mais ce minerai d'uranium contient une fraction très très faible d'uranium-235, de l'ordre de 0,7%. Pour faire une bombe, il faut augmenter cette proportion et il faut la passer à des proportions de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Et pour faire ça, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement. Et donc l'enrichissement, vous avez plusieurs techniques physico-chimiques qui permettent donc de réaliser cet enrichissement, c'est-à-dire de changer la proportion entre uranium-235 et uranium naturel et de passer donc cette proportion de 0,7% à 10%. Les difficultés sont nombreuses, mais peu à peu, les sites de production commencent à tourner. Les problèmes techniques sont résolus les uns après les autres. Les réactions en chaîne sont de mieux en mieux maîtrisées. Le test grandeur nature approche. En octobre 1942, le général Groves décide de doter le projet Manhattan d'un centre de recherche destiné au test de la future bombe. Il choisit un endroit isolé au Nouveau-Mexique, à une trentaine de kilomètres de Santa Fe. Ce site, c'est Los Alamos. Dans les mois qui suivent, de nombreuses constructions sortent de terre. C'est l'endroit le plus secret et le mieux gardé des États-Unis. Sous la direction de Robert Oppenheimer, la construction du prototype au plutonium est menée à bien au début de 1945. Le premier essai réel de la bombe a lieu le 16 juillet, sous le nom de code de Trinity. À 350 km au sud de Los Alamos, sur le site appelé Alamo Gordo, en plein désert du Nouveau-Mexique, la première bombe atomique de l'histoire explose à 5h, 29 minutes et 45 secondes. L'explosion est ressentie jusqu'au Texas à l'ouest et jusqu'en Arizona à l'est. Des vitres sont brisées à plus de 300 km de l'épicentre. La puissance de l'explosion correspond à plus de 20 000 tonnes de TNT. Au point zéro, un cratère de 75 mètres de profondeur et de 3500 mètres de diamètre s'est creusé. Tout est soufflé, rien ne subsiste. Le niveau de radiation est extrême.
Harry Truman, en conférence à Potsdam, est aussitôt informé du succès complet de l'essai nucléaire. La bombe atomique est opérationnelle et prête à servir contre le Japon. Lancer une bombe nucléaire est techniquement une tâche difficile qui doit de plus demeurer secrète. C'est pourquoi le 509e Composite Group est créé le 17 décembre 1944 et s'installe aux États-Unis sur la base de Wendover, à la frontière du Nevada et de l'Utah. Commandé par le colonel Paul Tibbets, vétéran des bombardements sur l'Allemagne, le 509e est équipé de Boeing B-29 Super Fortress. Ces pilotes s'entraînent pendant de longs mois à charger, amorcer, transporter et larguer des bombes de 5 tonnes à une altitude moyenne de 7 à 10 000 mètres. Vers la fin mai 1945, le 509e perçoit 9 B-29 spécialement modifiés pour effectuer les bombardements atomiques. Début juin, le groupe au complet s'envole pour Tinian, une base des îles Mariannes dans le Pacifique, où le 313e groupe de bombardement, équipé lui aussi de B-29, pilonne déjà le Japon. Fin 1944, une liste des éventuelles cibles est dressée. 10 grandes villes sont retenues. Hiroshima, la 7e ville du Japon, avec presque 400 000 habitants, est en tête de liste. Kyoto, Kokura, Niigata et Nagasaki en font aussi partie. La vraie raison d'écarter Kyoto, ce n'est pas sentimentalement qu'il voulait admirer la culture japonaise, c'est plutôt qu'il ne voulait pas détruire l'endroit où il y avait beaucoup de choses qui sont liées à l'empereur, et fait que Kyoto était pendant Milan, la capitale du Japon autrefois. Le choix d'Hiroshima a été justifié après la guerre. La ville n'ayant subi précédemment que peu de dégâts, les effets de la bombe atomique seront incontestables. La ville est construite sur un site plat formé par le delta de la rivière Ota. Des bâtiments à plusieurs étages permettront d'étudier l'effet précis de la bombe. La ville est construite en bois, les effets incendiaires pourront facilement être quantifiés. Plusieurs ponts en différents matériaux permettront l'étude des effets sur ces structures. La ville est dotée d'infrastructures diverses, eau, gaz, électricité, égout. La vulnérabilité de ces installations sera étudiée. En cas de problème sur Hiroshima, Kokura ou Nagasaki sont les objectifs secondaires. Le 6 août 1945, le B-29 Enola Gay, piloté par le colonel Paul Tibbets, décolle de Tinian à 2h45 du matin, suivi de deux autres B-29 remplis d'instruments de mesure et chargés de prendre des photos de l'explosion. Juste après le décollage, vers 3h du matin, le technicien spécialisé amorce le détonateur. La bombe à uranium baptisée Little Boy est maintenant prête à déclencher l'apocalypse sur le Japon. Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, la première bombe atomique est larguée au-dessus de la ville japonaise d'Hiroshima. Le monde entre dans l'ère nucléaire. La ville est rasée, les morts sont innombrables, le Japon est en état de choc. J'ai survolé Hiroshima juste après que la paix soit signée. C'était complètement dévasté. Auparavant, c'était une région habitée et construite, mais rien n'a subsisté dans un rayon de 40 km. La plupart des maisons étaient en bois ou en papier et ont donc été calcinées. Au Japon, on appelle les survivants d'Hiroshima les Ibakusha, les irradiés. Le 6 août 1945, à 8h15, Monsieur Takashi était un simple collégien qui jouait dans la cour de récréation lorsque le feu nucléaire l'a surpris. Madame Mio Shiboshima nous commente les dessins qu'il a réalisés en souvenir de l'explosion qu'il ne faut, dit-il, jamais oublier. À l'école, il y avait le rassemblement des élèves toujours dans le cours. Les Japonais ne se méfiaient pas. Parce que quand il s'agit de bombardement classique, il y a plusieurs avions qui arrivent. La bombe a été lancée, a explosé 500 mètres au-dessus de terre.
Et en provoquant grand son et la lumière et le souffle extraordinaire. Il y a l'incendie, ça propage dans toute la ville. Et pour éviter que l'incendie grandisse, on cassait la maison pour stopper le feu. Ce qu'on voit, les bras un peu comme pliés comme cela, c'est toute la peau qui a provoqué énormément de brûlures. Et la peau est tombée et ça s'accroche au bout des ongles. Et il y a aussi les oreilles qui sont fondues. La chaleur atteint 3000 à 4000 degrés. Il faisait excessivement chaud et les gens voulaient boire de l'eau. Donc beaucoup de gens se sont jetés à la rivière. Alors ils essayent de sortir de la ville en suivant le chemin de fer. Le Japon ayant tardé à répondre aux demandes de capitulation, une deuxième mission de bombardement atomique est lancée. Son objectif principal est Kokura. Aux commandes d'un autre B-29 baptisé Boxcar, le major Charles Sweeney décolle à son tour de Tinian avec deux autres B-29. Les mauvaises conditions météorologiques obligent Sweeney à se reporter sur une cible secondaire. Le 9 août, à 11h02, Sweeney largue Fat Man, la bombe au plutonium sur la ville japonaise de Nagasaki. En quelques secondes, la ville disparaît. C'est la deuxième explosion nucléaire de l'histoire en temps de guerre. C'est aussi la dernière. La démonstration est faite. C'était deux techniques différentes puisque les bombes étaient pour l'une constituées d'uranium-235, pour l'autre de plutonium-239. L'uranium-235, donc, qui a été la bombe qui a été larguée sur Hiroshima, la première, donc le 6 août 1945, avait une puissance estimée de l'ordre de 15 kilotonnes, alors que la deuxième, Fat Man, qui a été larguée sur Nagasaki trois jours plus tard, avait une puissance de l'ordre de 20 kilotonnes. Une bombe le premier jour, une bombe deux jours plus tard, et la guerre était terminée. Prenant conscience qu'il n'y a plus d'issue possible et que Tokyo et l'empereur pourraient être les prochaines cibles des bombes atomiques, le Japon accepte le 14 août 1945 de déposer les armes sans condition. Le 2 septembre, sur le cuirassé américain Missouri ancré en rade de Tokyo, en présence d'officiers de nombreux pays alliés, dont le général Leclerc, représentant la France, les plénipotentiaires japonais signent la capitulation définitive du Japon. La Seconde Guerre mondiale est enfin terminée. Le monde redécouvre la paix. Le prix à payer a cependant été incroyablement élevé. Des hommes ont été les grands acteurs de cette époque. Qui sont-ils ? Enrico Fermi est né le 29 septembre 1901 à Rome, en Italie. Dès 1919, il étudie à l'université de Pise, où il se consacre à des sujets liés à la physique atomique et aux problèmes soulevés par la nouvelle théorie de la relativité restreinte découverte par Albert Einstein. En 1938, il obtient pour ses travaux le prix Nobel de physique. En janvier 1939, sentant venir la guerre, il émigre avec sa famille aux États-Unis. Il travaille ensuite à l'Université de Chicago à la mise au point d'une pile atomique. Il est fait citoyen américain après la guerre en récompense de ses travaux pour le gouvernement des États-Unis. Ensuite, il accepte un poste de professeur d'études nucléaires au sein de l'Université de Chicago. Il y reste jusqu'à sa mort d'un cancer le 28 novembre 1954. Robert Oppenheimer est né le 22 avril 1904 à New York, aux États-Unis. Étudiant brillant, passionné par les langues et notamment le sanskrit, il poursuit des études de chimie et de physique. Fin 1941, lors de l'entrée en guerre des États-Unis, il participe aux recherches sur l'atome au laboratoire sur les radiations de Berkeley.
C'est là que le général Leslie Groves, chef du projet Manhattan, vient le chercher pour le nommer directeur scientifique des recherches sur la future bombe atomique. En juillet 1945, après l'explosion de la première bombe test à Los Alamos, il déclare avoir pensé à la phrase en sanskrit qui dit « Je suis Shiva, le destructeur de monde ». Ces prises de position dérangeantes pour le gouvernement et ses sympathies communistes bien connues en font une victime de la chasse aux sorcières initiée par le maccartisme. Il passe les dernières années de sa vie à parcourir le monde et à donner des conférences sur les problèmes d'éthique liés au progrès scientifique. Il décède le 18 février 1967. Hirohito est né le 29 avril 1901 à Tokyo. Régent de l'Empire japonais depuis 1921, il devient le 25 décembre 1926 le 132e empereur du Japon à la mort de son père, l'empereur Taisho. Du début de son règne à 1945, Hirohito est relativement peu maître de ses actes. Le pouvoir réel est exercé par la caste des militaires japonais. C'est la caste héritière des samouraïs, ce sont ces grands militaires qui vont amener, qui vont pousser le Japon dès le 777, c'est-à-dire le 7 juillet 1937, à la conquête de la Mandchourie, du Manchukuo, l'invasion de la Chine, et puis ce grand empire nippon à travers tout le Pacifique. Donc ce sont des hommes avides de pouvoir. Après les succès de la Wehrmacht en 1941, il se laisse persuader de la nécessité de conclure une alliance avec l'Allemagne nazie, mais refuse toujours d'ouvrir un second front terrestre. L'embargo sur les produits pétroliers menaçant d'étouffer l'économie du Japon, Hirohito donne le feu vert pour préparer le futur conflit. Le 14 août 1945, après l'explosion des deux bombes atomiques et contre l'avis des militaires, Hirohito prononce un discours à la radio, dans lequel il déclare accepter la capitulation du Japon. La future négociation prévoit qu'aucune charge ne sera retenue contre l'empereur, cette condition étant impérative pour l'acceptation de la reddition de la population japonaise. Après-guerre, le 1er janvier 1946, l'empereur renonce au caractère divin attaché à sa personne pour devenir un simple monarque constitutionnel, pratiquement sans pouvoir politique. Jusqu'en 1951, c'est d'ailleurs le général MacArthur, chef des troupes d'occupation, qui dirige le pays. Il meurt le 7 janvier 1989 dans son palais de Tokyo. Harry Truman est né le 8 mai 1884 dans le Missouri aux États-Unis. Élève moyen, il ne fait pas d'études universitaires. Il est incorporé dans l'armée au cours de la Première Guerre mondiale. Il en sort lieutenant-colonel après s'être distingué avec son régiment sur le front français. De retour aux États-Unis, il se lance dans la politique et obtient son premier mandat électoral en 1922. C'est lui qui devient le 33e président des États-Unis à la mort de Roosevelt le 12 avril 1945. De 1945 à 1954, sa présidence est marquée par de nombreux événements aux répercussions planétaires. La réédition de l'Allemagne nazie, la capitulation du Japon, la naissance de l'ONU, la création de l'État d'Israël, le blocus de Berlin, le début de la guerre froide et la guerre de Corée. Mais le fait le plus marquant de la présidence Truman demeure sans conteste l'autorisation qu'il donne au largage des deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Il décède le 26 décembre 1972. Paul Tibbets est né aux États-Unis le 23 février 1915 à Quincy, dans l'Illinois. Le jeune Tibbets s'engage en 1937 comme élève pilote dans le corps de l'armée de l'air des États-Unis. Le 17 octobre 1942, il pilote le bombardier de tête de la première mission de la 8e US Air Force en Europe. Le 6 août 1945, vers 2h15 du matin, le colonel Tibbets, aux commandes de son B-29 Enola Gay, surnommé ainsi en hommage à sa mère, décolle avec à son bord Little Boy, la première bombe atomique. Il n'y a pas de moralité dans la guerre, ce n'était pas de mon ressort de juger ce qu'on me disait de faire. Je me cantonnais à l'ordre reçu, c'est-à-dire à l'exécution d'un boulot un peu spécial qui émanait de la plus haute autorité, le président Truman. Il termine sa carrière comme brigadier général, mais reste marqué par cette mission du 6 août 1945.
Partout où il se rend, comme en Inde dans les années 60, sa présence provoque des troubles, voire des émeutes. Il décède le 1er novembre 2007, après avoir demandé à ne pas bénéficier de funérailles officielles. Charles Sweeney est né aux États-Unis en 1919 à Lowell, dans le Massachusetts. Il s'engage dans l'armée à 19 ans et devient major dans l'US Air Force au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 août 1945, il participe à la mission du B-29 Enola Gay qui largue la première bombe atomique sur Hiroshima. Trois jours plus tard, il est cette fois aux commandes d'un autre B-29 surnommé Boxcar. Le 9 août 1945, Sweeney largue la deuxième bombe atomique, Fat Man, qui explose au-dessus de la ville. Sweeney, contrairement à Tibbetts, a toujours considéré que ces deux bombardements ont été un mal absolument nécessaire pour épargner la vie de milliers de soldats américains. Mis à la retraite en 1976, il décède en 2004. Cette bombe a sauvé beaucoup de monde, au moins 500 000 Américains et 1 million de Japonais. Le B-29 Enola Gay, portant le numéro 82, est devenu mondialement célèbre pour avoir été le premier avion à larguer une bombe atomique. Développé à partir de 1937, le Boeing B-29 peut emporter plus de 6 tonnes de bombes sur plus de 7000 km et à plus de 9000 mètres d'altitude. Lourdement armé et bien protégé, il gagne rapidement son surnom de super forteresse. La bombe à l'uranium, Little Boy, mesure environ 3,50 m de long pour un diamètre de 75 cm. Elle pèse à peu près 4,5 tonnes. Plus mince que Fat Man, elle doit par analogie son surnom à Roosevelt. Sa puissance est d'environ 12 500 tonnes de TNT. La bombe au plutonium Fat Man mesure environ 4 mètres de long pour un diamètre de 150 cm. Elle pèse un peu moins de 5 tonnes. Elle doit son surnom à sa panse rebondie, qui fait penser à celle de Churchill. Sa puissance est d'environ 22 000 tonnes de TNT. Le bilan du bombardement du 6 août 1945 sur Hiroshima est incroyable. L'explosion, amplifiée par la topographie des lieux, une plaine entourée de collines, provoque la mort instantanée de plus de 78 000 personnes. 14 000 autres sont portés disparus, 10 000 blessés graves et 30 000 blessés légers viennent encore alourdir le bilan. Beaucoup d'entre eux mourront dans les mois ou les années à venir, des suites des brûlures et de l'exposition aux radiations. 20 000 bâtiments sont pulvérisés à hauteur du sol dans un rayon de 3 km du point d'impact. 50 000 autres édifices sont détruits par les incendies. Le pourcentage de destruction du centre-ville sur 10 km² atteint les 90%. La ville a quasiment cessé d'exister. La bombe du 9 août sur Nagasaki provoque moins de dégâts. Située dans une cuvette, les effets de l'explosion restent cantonnés au centre-ville. Le chiffre de victimes se monte à 35 000 morts et 60 000 blessés, dont la plupart meurent des radiations. La ville est totalement détruite dans un ovale de 3 km sur 4. Aucune construction n'a résisté. Les conséquences médicales sont effroyables. Non seulement les radiations rendent gravement malades et tuent ensuite la plupart des patients à brève échéance, mais même ceux qui survivent sont durablement atteints. L'irradiation engendre des mutations génétiques et de nombreux enfants nés après la catastrophe présentent des anomalies. Il y a l'effet mécanique donc du souffle de la bombe qui en elle-même bon, faisait sortir les yeux des orbites, qui faisait exploser les intestins, enfin toutes ces choses-là. Il y a l'effet thermique. La bombe elle-même produit plusieurs millions de degrés centigrades à son point d'explosion et enflamme à plusieurs kilomètres du papier, des choses. Donc il y a l'effet, le feu direct produit par la bombe et les feux indirects, toutes les maisons qui s'embrasent les unes après les autres. Et à 2 km, on brûle encore. Donc ça, c'est les deux grands effets mécaniques classiques
Hein. À Dresde, par exemple, les bombes à phosphore ont produit des effets un peu semblables avec des tempêtes de feu, avec des choses comme ça. La chose nouvelle à Hiroshima, c'est qu'en plus de ces deux effets, il y avait l'effet nucléaire, l'effet atomique, la radiation. Faute de moyens modernes de diagnostic, ces maladies ne sont pas rapidement détectées ni soignées. Les médecins sur place ne comprennent pas immédiatement pourquoi les brûlures refusent de cicatriser. Ils constatent seulement un taux de globules blancs anormalement bas. Avant même l'explosion des deux bombes atomiques, le Japon était à genoux. Le potentiel industriel japonais avait été systématiquement visé et détruit par les bombardements massifs des B-29. La marine japonaise n'existe quasiment plus et la plupart des infrastructures du pays sont à rebâtir. Les approvisionnements en matières premières et en produits pétroliers sont coupés. Même le ravitaillement en vivres des populations pose problème. Pour le Japon, l'année 1945 est considérée économiquement comme une année zéro. Tout est à reconstruire et ce qui n'est pas détruit est à reconvertir. Le Japon, c'est paradoxalement, après la guerre, économiquement bien développé, mais une des raisons fondamentales, c'est aussi qu'on lui a interdit d'avoir une armée. Et tous ses investissements industriels ont été consacrés à l'industrie, à l'activité économique civile, et on sait ce que ça a donné du point de vue économique. Le Japon de l'après-guerre devient un pays occupé, totalement dépendant des importations de toutes sortes et de la bonne volonté des vainqueurs. Le 27 août, les premières forces américaines d'occupation débarquent dans le pays. C'est le général MacArthur, ancien responsable des forces alliées dans le sud-ouest du Pacifique, qui devient commandant suprême des forces d'occupation. Il gouverne le pays à la manière d'un vice-roi, cantonnant Hirohito à un rôle de représentation. Fin 1945, le Japon disparaît de la scène en tant qu'acteur politique de premier rang. Les attaques nucléaires étaient-elles nécessaires? Ça, c'est un jugement moral. Disons que on ne refait pas l'histoire, c'est arrivé. Nécessaire à qui, à quoi, on pourrait disserter longtemps. On peut dire dans l'absolu que ce n'était pas nécessaire parce que les Japonais étaient de toute façon battus. Mais à quoi ça sert de le dire? Puisque de toute façon, ça a eu lieu. De toute façon, on a fabriqué ces armes. Et la question d'aujourd'hui, c'est comment allons-nous réussir à les mettre de côté, quoi, à les éliminer, et donc à réaliser ce qui est prévu par les États dans le traité de non-prolifération. Sans doute le pressentiment plus ou moins diffus d'une possible confrontation future avec l'URSS a-t-il pesé dans la décision d'utiliser l'arme nucléaire? De plus, il fallait tester les effets de la bombe au plutonium. Les militaires et les gouvernements s'approprient la bombe. L'horreur atomique devient une menace omniprésente dans toutes les négociations futures. Dès 1949, les Soviétiques parviennent à mettre au point leur propre bombe. La Grande-Bretagne et la France vont bientôt suivre. Et l'escalade continue avec la bombe à hydrogène, la bombe H, 100 fois plus puissante que Little Boy, que les États-Unis conçoivent en novembre 52. Une course effrénée multiplie bientôt les armements nucléaires. En 1990, un rapport indique la présence dans le monde de plus de 12 000 têtes nucléaires réparties sur presque 2 000 vecteurs de dispersion. De quoi détruire des milliers de fois la planète. Mais on voit bien qu'on est dans l'absurde quelque part. Et cet absurde-là pèse sur notre société d'aujourd'hui. Mais en même temps, c'est passionnant et c'est très intéressant. Je suis aussi intéressé par la psychanalyse sur le sujet, parce qu'il y a pas mal de gens qui commence à expliquer les malaises du monde d'aujourd'hui par ce pouvoir de destruction totale et une société humaine qui n'a pour avenir, pour perspective ou pour horizon que la destruction totale, elle peut se laisser aller à un tas de dérives, à un tas de dérèglements, la drogue, le crime, etc. Et je crois que analysons le monde à travers l'arme nucléaire et ça peut pourra provoquer des décisions nouvelles dans sa gouvernance. Tout a commencé à Hiroshima le 6 août 1945.
En 1945, la Seconde Guerre mondiale entame sa 7e année de combat. En Asie, plus les Américains se rapprochent du Japon, plus les combats s'avèrent violents et meurtriers. Iwo Jima et Okinawa sont les dernières îles conquises au prix de très lourdes pertes. Envisagé depuis 1943, le plan d'invasion du Japon est mis au point l'année suivante. Les opérations Olympique et Coronet envisagent de débarquer sur Kyushu avant d'atteindre Tokyo. Les stratèges américains estiment que les combats peuvent durer près d'une année et faire entre 200 000 et 1 million de morts de leur côté. À partir du mois d'avril 1945, le Japon entame des pourparlers de paix qui n'aboutissent pas. En juillet 1945, à la conférence de Potsdam, les Alliés exigent du Japon une capitulation sans condition. Le 26 juillet 1945, un ultimatum commun est envoyé. Les Japonais cherchent à gagner du temps. Harry Truman, président des États-Unis depuis la mort de Franklin Roosevelt le 12 avril 1945, prend alors la décision d'utiliser une nouvelle arme, la bombe atomique. Étudiée depuis 1942 à Los Alamos au Nouveau-Mexique, cette bombe a été mise au point aux États-Unis par un groupe de savants, parmi lesquels Enrico Fermi et Robert Oppenheimer. Le projet baptisé Manhattan est colossal. Le premier essai réel de la bombe a lieu le 16 juillet 1945, sous le nom de code de Trinity. C'est une réussite complète. Le 6 août 1945 à 8h15 du matin, le B-29 Enola Gay, piloté par le colonel Paul Tibbets, largue la première bombe atomique à l'uranium, Little Boy, au-dessus de la ville japonaise d'Hiroshima. Le bilan est effroyable. 78 000 morts, 14 000 disparus et 40 000 blessés. La ville est rasée, le monde entre dans l'ère nucléaire. Le Japon ayant tardé à répondre aux demandes de capitulation, une deuxième mission atomique est lancée. Le 9 août 1945, à 11h02, aux commandes d'un B-29 baptisé Boxcar, le major Charles Sweeney largue Fatman, la bombe au plutonium sur la ville japonaise de Nagasaki. En quelques secondes, la cité disparaît. Avec elle, 35 000 morts et 60 000 blessés. Comprenant qu'il n'y a plus d'issue possible, le 2 septembre 1945, les plénipotentiaires japonais signent la capitulation définitive du Japon sur le cuirassé américain Missouri. La Seconde Guerre mondiale est enfin définitivement terminée. Le monde redécouvre la paix, mais la menace de la bombe atomique devient une réalité. En 1949, les Soviétiques réussissent à mettre au point leur propre bombe atomique. La Grande-Bretagne et la France suivront. L'escalade continue avec la bombe à hydrogène appelée bombe H, 100 fois plus puissante que Little Boy, conçue par les États-Unis en novembre 1952. La course effrénée aux armements nucléaires de par le monde a commencé à Hiroshima le 6 août 1945. I have a dream. Power that pervades everything. I have a dream.